Ici la Réunion, t'es maman, nina, toute nation. Oh, l'engage, la maille, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, nina, toute nation. L'engage, la maille, la fait rayonner. Déjà, une petite question simple, pas une petite question. Par rapport au titre, par exemple, qui tient à la Réunion, là, aujourd'hui, comment on arrive à mettre la Réunion collée avec un majuscule d'un milieu, est-ce qu'on a un choix avec ça? Et pour ça, il y a plusieurs. Ça, c'est vous qui posez la question maintenant, on ne pose pas moi. La question ne sera pas pour Axel. Ah bon. Et nous va répondre après. Mais parce que Michael, il faudrait peut-être. Ah bon. C'est pas Axel qui a décidé. Mais bizarre, Donc, c'est un petit peu syntaxe, c'est ça, la construction du mi. Ne cause pas beaucoup sur la conjugaison, ça, de manière. Il veut dire qu'il n'a pas. Les littères intéressants, c'est parce qu'on en a deux langues. Excusez-moi, je vais répondre tout de suite parce que je vois bien. On a deux langues, même là, comme Badaï dit avec le Moussavon, la typologie n'est pas pareille. D'accord. Donc, à La Réunion, comme en chinois, etc., même s'il n'a pas directement là, pour la syntaxe un peu en chinois, bon, le mot lui est invariable. Alors qu'en français, on a des tas de mots variables. On en a en français, comme on va dire, bon, je mangerai, tu mangeras, bon, ou alors, etc., etc. Bon, mangeront, et même à l'écrit, ONT, ici, ONS, ça va. En créole, là, simplement, mange partout. D'accord, donc le mot est invariable. Donc, le français, en gros, c'est une langue qui est, comme il dit, frictionnelle. Et nous, en face, nous avons une langue, nous, qui est analytique, c'est des grands mots, mais soit bien compris dans l'idée qui. L'idée, de, le mot ne change pas, c'est des mots qu'on met devant, qui change, qui nuance le mot. Alors qu'en français, en général, le point bon, par contre, tous les points qu'on peut vous mettre derrière. Le créole, si je veux, l'idée analytique, elle fonctionne à gauche, le français, l'idée flexionnelle, elle fonctionne à droite. Quand Chaudançon utilise ce mot archaïsme-là, ça n'a scientifiquement ni n'a. Mais je suppose une sens précis, parce qu'il résonne comme un affaire dévalorisant quand même. Oui, la pointe, à mon avis, d'un sens précis que ça peut donner là. Voilà. Peut-être qu'il ne peut pas être dévalorisant, mais enfin, quand vous cherchez un dictionnaire, vous aurez probablement une affaire avec plusieurs sens dans lequel il dit les anciens qui ne fonctionnent plus, et puis après on aura un ovni péjoratif. Bon, d'accord, mais il n'y a pas. Je ne pense pas que vous voulez être péjoratif. Okay. Oui, mais c'est aussi parce que dans la langue française d'aujourd'hui, ces mots-là, ils ne retrouvent plus. Ça ne l'a pas conservé. Nous l'a inclus, ça nous la fabrique de créole à partir, mais dans la langue française, il n'existe pas. Sauf. Dans les langues régionales, on retrouve encore. Oui, ça nous encore. Oui. Merci Dominique. On a monsieur ici, ensuite on va faire le deuxième séquence. Oui. Quelles conséquences il y a eu lors de la dévalorisation de la langue créole? Certains disaient qu'il fallait fusiller le créole de parler du patois. Inspecteur de l'éducation nationale, 1979. Alors on a deux questions qui reprennent les questions. On en a un sur l'archaïsme, on va finir répondre. Et il y en a un autre, donc, sur la dévalorisation de la langue. Mais, je n'ai pas besoin qu'une base objective pour être dévalorisé. Bon, là, de toute façon, je l'avais envie, besoin de dévaloriser, c'est autres jacobinistes pas autres qui poussent à autres pour dévaloriser. Vous connaissez, en Occitan, vous avez une production littéraire bien plus importante que qu'en français. Vous avez Dans notre langue, en breton, on en a des affaires qui existent depuis très très longtemps et complètement différent de la France. Bon, on en a depuis l'abbé Grégoire surtout, mais avant que les films commençaient, depuis l'abbé Grégoire surtout, cela a voulu détruire les bandes sexuelles qui appellent patois. Là, elle n'a pas regardé, là, une fois que je ne comprends pas, déjà c'était un langage, c'est comme nous, que la Réunion, quand le Manchina qui cause, nous dit cause langage, voilà, à peu près pareil, il est aussi dévalorisant, mais j'avais besoin de faire politiquement, j'avais besoin de cette unité, et la façon de faire cette unité, c'était d'éliminer les autres, c'est ce que j'ai éliminé, sans essayer de comprendre ça. Alors, bonjour, déjà, moi, je suis Julie, comme ça donne un peu. Du coup, il est jeune, hein, comme vous l'avez vu, mais il est encore au lycée, on passe le bac. Et en fait, moi, déjà, à l'école, enfin, pour parler d'histoire de la Réunion et l'histoire de la langue créole, bah, par exemple, avec un professeur de littérature anglaise d'origine métropolitaine,
Déjà, au début d'année, il y avait un débat incroyable autour de la colonisation à La Réunion. Et donc, un débat autour de l'histoire de La Réunion et tout. Et en fait, moi, mon question, c'est justement comment inclure un peu plus la langue réunionnaise et l'histoire de La Réunion à l'école, parce que, bah, surtout en plus, il est d'un lycée de l'Ouest, donc en histoire, on ne va pas parler de La Réunion, hein, on ne va pas parler de la culture réunionnaise et on ne va pas parler de la langue réunionnaise, et ça, bah, c'est problématique, parce que, bah, y a beaucoup de créoles, beaucoup de, bah, de personnes de d'origines différentes, donc bah, voilà. Ah oui, c'était la question, pourquoi ces gens, pourquoi tu as choisi cette graphie-là dans le titre de... Non, affaire La Réunion, les collés. Là, les collés, là, ça, c'est moi, la fait le collage. Donc, non, en fait, vous pouvez, comme vous l'avez même pas un an, pour exemple, pour la culture, mais vous pouvez y voir, hein, les ordres, les individus. Et demain, Roger, il faut absolument organiser un grand débat à La Réunion pour savoir s'ils mettent un grand L, La Réunion, quoi. C'est un peu bon d'historien. Bon, ça peut l'avoir. J'ai un peu bon de m'y connaître, voilà, d'avoir raté un peu. Après, finalement, il est revenu sur l'idée, ben, puisque l'homme et La Réunion, c'est toujours La Réunion, donc on a décidé que ce serait, on va mettre un grand L et un grand R. Voilà. Donc, il vient séparer en français. Et en créole, ben, c'est moi qui fais, parce que dans un créole, on a un peu plein d'affaires. On va m'y mettre comme ça, peut-être la droite qui va créer là. La Réunion à côté, mais petit mon pays c'est La Réunion, du matin un seul mot, comme la diamant ce matin, ou comme elle a écrit tapis mendiant, un seul mot, mais petit mot il dit pas piquette mendiant. Donc le tapis mendiant, il dit toujours quand on vient tapis mendiant, c'est tapis mendiant, d'accord avec. Le français, si je fais ça, comme avant le mot en demain, c'est en demain, ça fait elle apostrophe en demain, et puis j'en dis c'est le lendemain, alors c'est même le devant. Donc il peut faire des mots comme ça, dans toute langue il fait des apostrophes. Voilà. Non, moi, je vais vous dire, Patrice, sur le temps. Merci, Jean-Laurent Foubois, pour les questions, parce que ça, c'est un problème pour nous. Il ne dit pas un La Réunionnais, ah ouais. Il dit un Réunionnais. Donc, je vais dire, mon copain, c'est notre problème pour règle moi, là. La Réunion, si vous mettez La Réunion un seul mot, on vit mettre Yosemite, nous, une bonne mauvaise, bonne néologiste comme ça. Mais dis-moi un Réunionnais, moi, pas un La Réunionnais. Mais il reste une question. Vraiment complètement respectueux de ce mélange qu'il y en a là. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas un contact de langue simplement, ce n'est pas des langues superposées, c'est des échanges. Un, il prend le mot bloc, l'autre, il prend le mot d'elle. Bon, on ne peut pas appeler ça simplement un contact de langue. Là où il y en a un mélange de langue, bon, on n'a aucun mot pour la pointe. Tout. Pidgin, normalement, il vient d'un mot chinois, etc. etc. Bon. Déformé par les anglais, moi je trouve une définition, la définition, elle est juste pour décrire la situation. Et comme on pointe d'autres mots, mais ça s'appelle ça, comment lui peut appeler ça, trouver un mot créole pour mettre dessus, et que deux mots je dois comprendre, mais il dit que c'est quoi, c'est un zan vocal, mais le zan vocal, déjà il a une unité, le zan vocal, hein. C'est déjà un plat complet à lui tout seul. Bon. Donc, Mitaï, ça s'appelle ça, macédoine de fruits, mais après ça. Non, là, on est bien obligé d'utiliser du bon mot qu'on est là. On n'a pas un mot plus valorisant que c'est là. Bon, là, pas baragouin, là, pas toutes ces affaires-là qui peut servir. Donc, moi, la pensée là. Mais ça, c'est une discussion spécialiste, à laquelle, d'ailleurs, s'il fait, moi, il ne rentre pas dans le rond, parce que moi, on essaie d'avoir une affaire pratique. D'accord? Alors, pour la toponymie, moi, je donne une définition. Ah, où, quelle définition il donne? Polynomie. Va donner la définition, moi. Voilà. Est-ce que vous pouvez redire la définition? Non, mais moi, je m'a dit que c'était une langue, tout le monde est d'accord pour dire qu'il cause la langue, mais avec une variété tellement forte que de monde tient à cette spécificité. Voilà, la question de mademoiselle autour de comment on inclut davantage de créoles dans notre programme scolaire. On a une réponse à celle, on a une proposition. Mais restez tous la première question, on a des propositions. Là, ce qu'il dit, de mon applaudir avec raison. D'accord? Mais là, il faut qu'il passe, je ne sais pas combien de temps pour nous discuter de cette affaire-là. D'accord? Bon, parce que ça, c'est une affaire hyper importante.
Bon, Nana, pour ma part, Nana, je ne connais pas. Un peu plus de 50 ans que mes revendicables. À ce stade, c'est de dire toute la fierté que Manina de voir l'excellence de tout ce qu'il présente à nous. Bah, déjà, petite félicitations au président et à toutes les équipes. Franchement, aujourd'hui, plus encore qu'hier, mais sans moins fière d'être lyonnaise. Après l'exposé qu'on avait fait à la cuisine, après la langue, l'histoire, cet effort d'être impartial, d'être vraiment dans les faits, franchement, toute la fierté d'être lyonnaise. Encore plus, vraiment de toute leur destinée en présent, elle dit langue maternelle, au moins nous les réunionnaises, mais mon filigrane, on paraît quand même, dans toute leur modestie, notre présence en tant que femme dans l'histoire de la Réunion. Voilà. Et puis, ben, encore merci. Et si Maléla, c'est un petit peu aussi en mémoire de mon mari, qui était vivant, n'aurait été là, mais il porte toujours son t-shirt, des pâtes à faire. Voilà. Donc, c'est l'occasion pour moi. Mais plus les temps, c'est un petit peu. Merci, Corinne Rabot, et que le nom de famille de Thilo. Le langage qu'on avait il y a 150 ans venait de différentes régions. Ma langue maternelle, ce n'est pas le français, je viens d'une région un peu excentrée de Paris. Et simplement aussi, le travail de la terre est différent, le moyen de transport est différent. Donc les mots de la vie quotidienne sont différents depuis 100, 150 ans et évoluent au fil du temps. J'ai maintenant, moi, du mal de comprendre le langage des jeunes. Le rapport avec le créole, c'est un peu la même chose. On a un créole, on a une langue qui s'est forgée, qui s'est construite et qui évolue. Mais ça va de plus en plus vite. Elle évolue tellement que le créole d'aujourd'hui n'est plus le même que le créole des Ramon d'il y a 50, 100 ans. Comment continuer cette évolution qui va en s'accélérant en gardant les racines du créole? Faut dénoncer. Dans mon questionnement, il rejoint, il prolonge la réaction de la jeune lycéenne. Bon, même il est propre. Et Nina Zélève, qui est là, et les rencontres à moi, qu'elle a beaucoup d'origine malgache ou mahoraise. Et lui dit, mais en fait, au juste, bon, ben, à 54 ans, lui dit, mais, et puis tout ce temps-là, l'école, c'est-à-dire l'école, collège, lycée, n'a jamais proposé à moi apprendre le malgache, voir le chimaoré, voir le créole mauricien, c'est un peu comme nous n'est pas connaître un peu la langue de région. Le texte de France, c'est pas. Voilà, c'est une question couillon, mais après, c'est dommage. Il devrait démarrer en 2022. Et son question est importante. Faut pas dire. Les vrais hors sujet, c'est comme la préfère, les hors sujet des Arcelles, mais les pas hors sujet par rapport à nous, Conseil de la culture. Ce qu'elle a dit, elle est vrai, parce que là, il faut en tel que parler. Nous, là, mettons en place un groupe de travail sur l'enseignement de l'histoire locale. Pour connaître mieux la Réunion. Normalement, tu es dans l'école, mais connais, moi, dans l'école, on parle comme ça, là. Sous la pointe, on passe la balle en français, tu parles les cousines, c'est-à-dire un inspecteur régional, tout ça, les voix. Et nous, on a décidé de faire quelque chose pour l'éducation populaire, mais un livre, des passes sur les en ligne, hein, la collection d'hier aujourd'hui, et qui traite de l'histoire de la Réunion, et qui permet de professer à ce que tu veux. Mais tout le monde travaille dans l'éducation populaire, il y a des sujets qu'il propose pour faire là-bas. Après, au niveau culturel, ils pensent qu'apprendre un peu plus, nous, avoir plus de classes, maintenant, demander par l'après-midi, mais ils revendiquent l'idée qu'il faut mettre des écoles conventionnelles créoles à la Réunion. Même ils disent, ben, vous avez des clubs aussi. Il y a un cran, tellement on lève la main autour, mais il a marché, mais si. Moi, c'est Iraniel, il parle en tant que. Que réunionnaise, que fonquaisaise, que travailleur social avant toute chose. Juste pour apporter une remarque, moi la suivre de près depuis des années, mais quelques mois elle n'est pas enseignante, les débats qu'elle a pu avoir dans le créole de l'école. Et il voudrait partager avec vous que dans le travail social, nous n'est pas encore arrivé là, si tant tellement que moi je fais des études d'ingénieur social actuellement, dans lesquelles moi j'ai envie d'amener la question du créole dans les pratiques de travailleurs sociaux, de comment on accompagne le monde de la Réunion qu'il cause créole, comment nous faire avec ça. Et figure à dire qu'elle n'est pas aussi simple d'amener la question là et de faire entendre que c'est une question que n'est ni évident, ni illégitime,
Parce que dans le secteur Azov, université et celui de l'enseignement, ça n'a fait que déjà depuis longtemps une facile de cause de ça. Mais dans notre secteur à nous, il est encore assez difficile d'amener ça. Et moi, les montants, moi, l'a eu les états généraux du multilinguisme à la réunion, moi, l'a vu dans la conclusion que vous êtes arrivé à la discussion que ben, il faut aller un peu plus loin maintenant. Le gouvernement utilise ça, Zotti dit ça. Il faut aller dans le monde de la santé, il faut aller dans l'espace public, il faut regarder un petit peu comment il se passe dans les bureaux, etc. Les Gaillards disent ça, mais moi, je veux partager avec Zot, comme la lycéenne, la Zotna, que mon retour d'expérience, c'est que les pas simples, et que quand on dit on veut travailler là-dessus, moi de l'intérieur, du secteur social, je parle beaucoup d'éducation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais le chemin est encore très très long. Et nous, on a besoin aujourd'hui qu'il ne reste pas de questions réservées aux universitaires et que Zotti vienne donner un peu la main dans le secteur là aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on va terminer l'intervention de Jean. Mais on ne peut pas faire question-réponse. Madame, lève un coup debout, mais vous l'avez dit, il veut débattre avec vous après. La madame vient de causer. C'est pas pour être. Voilà, elle lève la main. Voilà. Je crois qu'il faut que le crâne a raison. Dans le domaine social, dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la vie administrative, dans plein de domaines, il faut qu'il y ait une place beaucoup plus grande que ça, que l'il est reconnue. Et moi, je crois qu'il faut que quelque chose de fondamental, c'est qu'il reconnaisse l'île comme une langue maternelle. Et que notre langue maternelle, nous l'avons besoin d'une langue maternelle. Et nous l'avons besoin de cause là-dedans, nous l'avons besoin de communiquer là-dedans. Et même à nous qui ne gagnons pas à communiquer aussi bien dans d'autres langues que dans cette langue maternelle. Donc dans le domaine, il faut y continuer à travailler. Dans l'affaire de Zot, c'est sans long et difficile la bataille. Bon, ça, il ne faut pas se dire croire qu'ils savent donner comme ça. À la fin des exemples, la première ici, la première là-bas, bon, il n'a pas donné. Bon, ça, depuis longtemps, on a fait voir tellement de promesses et pas grand-chose de gagner, que ça a été courage par notre là. Donc, bataille, il faut une cause comme ça, le combat il y avance, la vitesse a son temps, il faut y continuer. Comme quand il y a dans la case en bas, il faut que l'édifice de blocage de bonne barricade, il faut quand il y a toute la bande et il fait tomber. Merci, monsieur. La réunion est la toute nation. Langage la maillée, la ferré. Ici la réunion, t'es maman, n'est na toute nation. Oh, langage la maillée, mon aimé, la ferré, yonée.